Adeline Blondiot se confie sur l'enfance de Johnny Hallyday, sa blessure n'a jamais cicatrisé. Dans le documentaire Johnny, la guerre des clans, diffusé sur C8 mercredi 21 mars, Adeline Blondiot est revenue sur son mariage avec Johnny Hallyday, évoquant les blessures d'enfance du chanteur. Certaines blessures ne guérissent jamais et celles de l'enfance tout particulièrement. Adeline Blondiot en sait quelque chose, elle qui a partagé la vie de Johnny Hallyday durant 3 ans. Des années fortes en émotions durant lesquelles elle a aimé le rocker de toutes ses, sans toutefois parvenir à lui faire oublier ses démons et notamment sa blessure d'abandon. Dans le documentaire intitulé Johnny, la guerre des clans, la comédienne de 47 ans est revenue sur cette période délicate. « Je crois que le fait d'avoir été abandonnée par ses parents, ça a fait une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Et les gens qui ont connu ce genre de drame enfant, ont toujours une espèce de soif d'amour qui à mon sens n'est pas possible d'étancher vraiment, avec une certaine émotion. » L'ex-femme de Johnny Hallyday a confié ses tentatives pour construire une relation durable, aussi exigeante que n'elle, il faut l'aimer encore plus et plus. Mais il y a un moment donné quand on n'a pas connu nous, ce genre de drame, on dit, mais là je suis déjà à bloc, je ne peux pas faire plus. Une histoire qui s'est terminée par une rupture définitive le 9 mai 1995, avant que la jeune comédienne ne tombe amoureuse de l'acteur Sergio Temporelli rencontré en 1999 sur le tournage de la série Les filles d'à côté. 3 commentaires commentés partagés. Cet article partagé sur Facebook sur le même sujet. Les lus l'actualité closermag.fr. Dans votre boîte mail inscription newsletter, vous êtes bien inscrit, à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.